Chère Miss Dudley, mon désir pour vous grandit en même temps que la distance qui nous sépare. J'ai traversé toute l'Europe. Après avoir passé les lugubres montagnes de Transylvanie, j'ai atteint les forêts sauvages de la Petite Russie. J'ai vu une créature ancestrale avec des yeux innombrables. Elle s'appelait V. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Jonathan Green. Je suis un scientifique, spécialiste de la cartographie. Ça vient de Jonathan. Il a des ennuis. J'ai modifié le trajet de mon voyage afin de venir voir votre fameux dragon. Il semblerait qu'il fasse actuellement route vers la Chine en compagnie d'un jeune homme chinois. Cheng Lan et ma fille. Jonathan, voyage en compagnie d'une fille ? Remettez ceci à Cheng Lan. Je vous promets de la trouver. Non, ne touchez pas à ça. C'est le casque de Genghis Khan. Non, cette lance a appartenu à Alexandre le Grand. Non, 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 non. Nous avons trouvé le sceau du dragon. Il est entre les mains d'un noble russe. Le tsar en personne, Pierre le Grand. La sorcière a pris votre apparence. Tout le monde croit qu'elle est l'élu. Aujourd'hui est un jour de joie! Vous ne comprenez toujours pas où vous êtes? Dragon! Je t'ordonne de voler jusqu'à moi!